Sisan an bɛ taa Guinée Guinée an kun ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ Barkan ale ka lahalaya la k'a fɔ mɔgɔ dɔw ye kibaruya di k'a fɔ Barkan kelen bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka baara dɔw daminɛ Mali ni Guinée frontière la. Ɔ a kuma cayara kosɛbɛ. Guinée yɛrɛ ministre des Affaires étrangères ale ye laseli k'a la. An ka jɛ an ka Guinée ministre des Affaires étrangères k'a laseli lamɛn. Sigi Guinée ko kun tɛ tiɲɛ ko ministre de la défense bɔra k'o kuma nkalontigiya k'olu malo la ko mɛ ko mɔgɔ kelen ne nalen filɛ don fenêtre fɛ tuguni ka na nin kuma langolo in fɔ min yɛrɛ yɛlɛ ko kuma ye min yɛrɛ lagosi kuma ye ka s'a fɔbaw ma k'a fɔ ko Barkan bɛna patrouille kɛ Mali ni Guinée cɛ a bila n ka taa. Ce pays frère, en envoyant des milliers de soldats depuis cette guerre de 2012 au Mali. Donc, c'est vraiment ridicule de penser que... Ko, frontière yɛrɛ bɛ Mali ni Guinée cɛ bilen wa? Ko maa b'a fɔ ko Barkan bɛ taa patrouille. Ko Guinée ni Mali bɛ ka jɛ ka baara kɛ ko paseke Guinée bɛ Mali fɛ a bɛ Mali lafasa. Ko wa ko Guinée bɛ k'a ka sɔrasiw bila ka na Mali dɛmɛ don o don. Ko jɔn b'a fɔ ko Mali ni France bɛ kɛlɛ la Guinée bɛna ka na dayɛlɛ Barkan ka taa don Mali ni Guinée cɛ ko c'est ridicule ko hali mɔgɔ min b'i hakili kan k'i man ka nin fɔ a bila n ka taa. Donc faire appel à d'autres pays et à la France pour sécuriser cette frontière. Le 22 novembre 70, nous nous sommes battus tout seuls contre l'agression portugaise. En 2000, nous nous sommes battus tout seuls et nous avons gagné contre les agressions des mercenaires qui voulaient prendre la Guinée. Nous avons gagné. Nous avons aidé dans la lutte contre les terroristes partout dans le monde. Donc, c'est ridicule, je dis une fois encore, de chercher à créer la confusion dans la tête du monde en disant que la France et la Guinée vont déployer des troupes sécuritaires. Je le demande et l'ambassadeur de France est ici. Je pense qu'il va le démentir aussi. Monsieur le ministre, merci. Je n'avais pas prévu d'intervenir. Ko nin kuma in yɛrɛ ye mɔgɔ minnu bɛ nin fɔ k'u tɛ ko kalama ko kabi novembre 1970 ko mercenaires nana bi la Guinée kan la Guinée y'olu kɛlɛ ko wa ko kabi 2000 ko mercenaires nana bi la Guinée kan ko la Guinée bɛ ka 2000 mercenaires kɛlɛ ko ni terrorisme bɛ kɛlɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la Guinée pɛrɛnnen don ka wuli ka taa ka dɛmɛ kɛ i n'a fɔ Mali la ko nka ko nin kuma min fɔlen don. Ko ka ɲagami don mɔgɔw hakili la ka mɔgɔw jawuli diɲɛ mɔgɔw jawuli y compris les maliens k'olu jawuli ka problème dɔw ni Guinée cɛ ko c'est ridicule ko a bi kuma in nkalontigiya bɛ a b'a nkalontigiya sini ko Faransi ambassadeur yɛrɛ filɛ min bɛ Guinée ya ko a sigilen filɛ nin ya ko ambassadeur ko kuma b'i bolo k'i yɛrɛ tɛ kuma in fɛnɛ nkalontigiya diɲɛ k'a mɛn ambassadeur ka kuma bila a la. Mais je voudrais simplement souscrire à 100%, même à 1000% à vos propos. Ce sujet n'est pas un sujet. Et je m'étonne de voir circuler ce type d'informations sur les réseaux sociaux. Je me demande qui peut avoir intérêt ainsi à agiter des questions qui ne se posent pas. Amené. Ko ambassadeur ko Guinée ministre des Affaires étrangères ma qui est pas mi voko mbi ikap ma inzengoro ma dondo 100% ko même 1000%. Ko k'a jira k'a fɔ k'i ye kuma fɛn fɔ k'a bɛɛ tiɲɛ ko minnu bɛ ka nin kuma fɔ réseaux sociaux kan k'u bɛ nafa jumɛn sɔrɔ nin na kuma minnu tɛ tiɲɛ ye a bila. Pas un sujet et je m'étonne de voir circuler ce type d'informations sur les réseaux sociaux. Je me demande qui peut avoir intérêt ainsi à agiter des questions qui ne se posent pas. Ko ale yɛrɛ a bɛ bali ka nin kuma ye réseaux sociaux kan ko ne ko jɔnni ka nafa bɛ nin kuma ninnu suruku surukuli la kuma minnu ni nafa t'u la ka mɔgɔw kun suruku ɲɔgɔn na ko jɔn ka nafa bɛ nin na a banna wa. Ɔ donc kumakan kɔni filɛ nin ye parce que maa caman y'an wele k'an ɲininka Mali ni Guinée cɛ nin patrouille ko kuma in na mɔgɔw jɔrɔlen don cɛw kangarida ka fisa wuli ka bɔ n dɔgɔ kan ye. Donc minnu y'an lasɔmi u jo ye lasɔmini ye wa u bɛ u ka hakɛw kɔnɔna na. An b'aw ladɔniya k'a fɔ Irisi ni Ikɛrɛni cɛ
Russie tunya la nini ka fo bitu ka base navale sigi Soudan pour que au moins ou fene bise ka fara final la kana oye ou ka sumare ombe na jika romina Amerika ngo atike ka kangarda Soudan ye koni Soudan sona ko ta flan chetike okunu ngwanye ki bare asoro ka fo Soudan jena ni bare nye wa binake l'ambassadeur américain au Soudan ale tunye irisi Soudan bla en garde ka kangarda oye mer uruji o kumi bi bo Soudan no ye John Godfrey akoni Soudan masaka oye Putin yamaria kata aka bazi sigi kubina Iran Soudan bla kelena sur le plan international kubi febe tigala ka sorobe tigala oko jamana bebsika a décidé ni mo mi coopérer de konga ko Soudan ngoni no koni zona ah ha ko ka signi a conséquence oko base mi mena sigi ko risi akina de bola ko juillet 2002 la base militaire au Soudan a été inclus dans la nouvelle doctrine navale russe oko kata base sigi Soudan ko risi yo akina la ngine ne damne oko irisi bina fembe ke wala sa aka force de défense aérienne au zone yi obseka la kana chogomi ko samugani duru akori mbi o de fo wako abseka ere nouvelé pour des périodes de 10 ans oko au conseil de souveraineté soudanais Abdel Fattah al-Burhan koko interview la kafo l'assemblée générale des Nations Unies que l'accord en question était toujours en discussion. Que discussion mais c'est là à Corinth. Oh, les États-Unis ont menacé au coiffeur ni Soudan ya que Kouba na représaille. Oh, au Soudan, au coin de Kaka, les relations d'ailleurs les États-Unis ont diminué les relations d'ailleurs qu'elles mettent Russie. On est gagnant dans nous on est guerre. Oko kunafoni dira kafo. Irisi akor misiye ni Omar El Béchir 2017. Ola saka ka base sigi meru rouge la. Ko irisi be fe ko ka o akor inde walia. Ay Omar El Béchir mene kumé ka gena be kata jije ce pays là kunde ni. Oko Irisi be fe ko bara minge kangare kon dalimbe iranye sudanye ko sudanga na do dafe chuasila anye ki bara soro ko akori sudan masamunu be ko ye sona wale alima o irisi be la beni wili ka jola ka fo ubina kana uka bazi sigi cliff line iran ka uf sudan ka ufi o koni bara ubesin no borai Arabi Saoudite fenenko koute Amerika ka kolable kubina irisi deme nyaro anya jea OPEP no organisation des pays exportateurs du pétrole oluko kube dobu ka pétrole botala okunye europe nga sege irisi ka fanga soro o unana fu daje ere la Arabi Saoudite ale mimbe nyefe o jekulu nyefe le prince Ben Suleiman ka foko Arabi Saoudite bena irisi ere deme l'Arabi Saoudite rejoint la Russie et lâche les États-Unis. La Russie voit sa position confortée par les monarchies arabes du Golfe. Le président des Émirats Arabes Unis, Mohamed Ben Zayed, a été reçu hier à Saint-Pétersbourg. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Les Émirats Arabes Unis et surtout l'Arabie Saoudite lâchent-ils leur allié traditionnel américain pour la Russie ? En fait, ils agissent comme les États-Unis, c'est-à-dire d'abord pour leurs intérêts ou ce qu'ils considèrent comme leurs intérêts supérieurs. Néanmoins, les États-Unis, particulièrement Joe Biden, ont perçu l'attitude des Saoudiens, à savoir ne refuser d'augmenter la production de pétrole pour faire baisser les prix du pétrole et donc abaisser les bénéfices de la Russie, car on l'oublie trop souvent.